remercions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Par ailleurs, nous vous informons qu'à la fin de la représentation, la sortie de la salle sera guidée par les agents d'accueil. Nous vous remercions par avance de votre collaboration et vous souhaitons un beau spectacle.
Parce que... Ah si. D'accord. Au poste. Alors, on t'explique le fonctionnement. Maintenant, tu fais partie des surveillants. C'est important, ce n'est pas rien. C'est une promotion. Promotion importante. Je fais partie des surveillants. C'est un honneur. Et une charge. Une charge et un honneur. On t'explique le fonctionnement, alors écoute bien. Écoute bien, on ne le répète pas. Ici, nous sommes responsables du son. Et toi aussi, maintenant, par conséquent, tu es responsable du son. Je suis responsable du son. Le son, c'est important. C'est très important. L'image aussi, oui, certes. Mais le son, très important. L'image aussi. L'image aussi, oui, mais le son. Le son, c'est très important. Très important. Ici, on diffuse le son. On diffuse le son. Je pense qu'il faut les calmer, par exemple. Il faut les calmer, certaines fois, il faut pouvoir les calmer. Il faut souvent les calmer. Alors, pour les calmer, on diffuse certaines chansons, en boucle, à plein volume, pendant plusieurs jours. Des chansons? Oui, par exemple, il y a cette chanson. Viens voir.
l'extérieur. Quelque chose. On dirait que quelque chose est tombé du ciel. Non. Non, pas une pierre. Non, c'est pas un chien tombé du ciel. Non, c'est pas un loup, non. Non, non plus. Un enfant. Mais c'est un enfant poubelle. Mais il est tombé de là-haut. Là-haut, ben la montagne. La montagne aux fumées. Il est tombé. C'est un enfant poubelle. C'est un enfant poubelle. Oui, métastase miasme. Infesté pire qu'un rat. Parfois, peut-être, oui. Et souvent, si tu ne bouges pas,
Souvent peut-être, mais pas là maintenant. Là, maintenant, ils ont installé des détecteurs de mouvement qui détectent la moindre vibration, le moindre écart de position, envoient des ondes à des machines qui leur signalent si quelque chose a bougé. Si quelque chose a bougé? Si quelque chose a bougé, c'est déjà qu'il faut aller voir de plus près pour voir si c'est pas quelque chose de vivant. Et si c'est quelque chose de vivant? Si c'est quelque chose de vivant, ça veut dire qu'il faut aller voir qu'il ne s'agit pas d'un de ces individus qui se cachent pour ne pas être classés dans ces catégories. C'est-à-dire des individus comme nous? C'est-à-dire des individus comme nous. Des individus qui se cachent pour ne pas être classés. Oh, j'ai envie de t'embrasser la main tout de suite. C'est pas le moment. Oui, mais j'ai quand même envie. Embrasse-moi dans ta tête, ça suffira pour l'instant. Oui, mais si tu m'embrasses pas dans ta tête, ça ne marche pas. D'accord. Si tu veux, embrasse-nous dans nos têtes. Peut-être le seul endroit de façon à l'actuelle où ils peuvent pas l'entamer. Déshabille-toi. Quoi? Déshabille-toi. De quoi est-ce que tu parles? T'es déshabillé. Toi dans ta tête, tu m'as pas seulement embrassé, hein, tiens. Non, c'est pas ça, non. Ben, si c'est pas ça, pourquoi est-ce que je me déshabille? Ben, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être un autre moyen de nous repérer. Un autre moyen? Oui, des... notre technologie. Des machines qui passent au scanner le paysage, qui repéreraient les points chauds, qui correspondraient à la température d'un organisme vivant. Et donc, là, il nous faut refroidir la température de nos corps, pour ne pas qu'on repère entre un caillou et une fougère. Mais un caillou et une fougère, j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'être un caillou et une fougère. Non mais si on ne peut pas bouger, comment on fait pour... On se déshabille imperceptiblement. Tu vois? Comme ça, on se déshabille lentement, à ce point lentement, ils ne verront même pas qu'on a bougé.
Si ça va prendre 10 jours, des semaines à cette vitesse pour vous établir. Peut-être, mais si on va plus vite, ils vont nous retrouver. De toi.
Tu penses que c'est moi? C'est peut-être toi. Ah non, je saurais si c'était moi. Peut-être c'est toi et tu ne le sais pas. C'est mon petit nez. Il t'envoie peut-être pour me surveiller. Oh merde. C'est peut-être toi. C'est peut-être toi. Oui, mais il y a 5 minutes, tu disais, c'était elle. Ah non. Moi, je suis sûre que c'est pas moi. Alors que toi. Alors qu'elle, elle n'est pas sûre. Elle, elle a un doute. Oh merde. Merde. Putain, j'ai un doute.
Madame, monsieur, comme indiqué avant la séance, la sortie de la salle va se faire de manière progressive. Nous vous demandons de rester assis et d'attendre le...